Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui va vous aider tout l'été. C'est du citron confit au sel et au sucre. On peut appeler ça un condiment. J'aime pas ce mot parce qu'on l'entend partout pour l'instant à la télé. Condiment ceci, condiment cela. Donc voilà. Il vous faut pour faire ça 3 citrons. J'ai déjà pris les devants, hein, mais je vais vous montrer. 3 citrons de préférence bio non traités. C'est quand même mieux. Je les ai quand même bien lavés à l'eau. On enlève quand même ceci, hein, parce que ça c'est pas top. On coupe en deux. Ici on coupe en trois. On vérifie s'il n'y a pas des pépins. On le verra même en coupant. Donc voilà, je mets bien devant vous. Et on coupe des morceaux, vous voyez, de 5 mm maximum. Même entre 2 et 5, c'est un peu selon les goûts. Moi j'aime bien quand même qu'il y ait de la mâche, qu'on sente bien le citron. Donc ce qu'on va faire là, c'est quelque chose qui va pouvoir vous servir pour faire des sauces, pour faire des salades, pour faire des taboulés, pour mettre plein de fraîcheur dans vos plats d'été. Donc on vérifie ici toujours. Bim. Ah. S'il n'y a pas de pépins, donc c'est nickel, il n'y en a pas. Vous voyez, c'est quand même pas très compliqué. On coupe le citron. Donc, recette simple, c'est pour se préparer à l'été et préparer les futures recettes. Là. Donc là, c'est là où tout se joue. Donc, 3 cuillères à soupe de sucre. Une de sel, une belle de sel, hein. Et c'est ça qui va donner ce petit salé sucré, cette petite touche, ce petit peps qu'on va avoir dans tout ce qu'on va faire cet été, enfin une partie en tout cas. Et là, on va laisser tirer 10 minutes avec un couvercle, comme ça, sans rien. Bim, je prends le couvercle. Voilà, 10 minutes comme ça, sans y toucher. Voilà, on a laissé tirer 10 minutes, et là on va le mettre à feu. Bon, je m'échauffais avec le couvercle pour qu'il y ait un peu de vapeur, et on va faire confire. Donc ici, le jus de citron va sortir. Là, on va laisser le couvercle, bien sûr, pour amener encore un petit peu d'eau. L'eau résiduelle, et ça va confire dans son jus. On va confire ça tout doucement, 10 minutes, un quart d'heure. Donc vous voyez ici, on va rediminuer le feu. J'avais mis un peu, vous voyez, bien remettre l'eau. Regardez, on a. Je n'ai pas rajouté d'eau, hein, rien du tout. Regardez. Donc voilà, avec votre cuillère, on nettoie bien les bords. Et on va laisser confire ça. Je vais dire, allez, on va dire un bon quart d'heure. Faut le surveiller quand même, pas que ça devienne un sirop et un caramel. On va remettre un petit peu le couvercle. Voilà, 20 minutes. Et c'est bien confit, il ne faut pas aller plus loin. Votre citron confit au sel et au sucre est prêt. Maintenant, on va laisser refroidir, mettre dans une petite boîte. Ça se conserve au frigo, vu que c'est confit, sans souci. Et chaque fois que vous en avez besoin, bim bim, on concasse un peu et on met dans nos préparations.